C'est pour les gens qui savent pas trop quoi faire et qui veulent faire une filière large. On sait pas trop où aller, bah on va en psycho. Sur l'accessibilité, c'est vrai. Après, je pense qu'il faut quand même avoir une idée précise de ce qu'on veut faire, sinon c'est compliqué. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont vraiment là pour, parce que ça leur plaît ce qu'ils étudient et pour en faire leur métier, quoi. On n'avait aucun suivi avec les profs et qu'on pouvait sécher tous les cours, mais en fait, pas du tout. La faculté en général, c'est que c'est vraiment un truc où on vient, ça va être tes vacances, tu viens en cours quand tu veux, tu t'organises comme tu veux. On est très indépendant, que si les profs, on n'est pas là, ils ne sont pas là pour nous noter, on peut aller quand on veut et on gère notre emploi du temps. Il n'y a pas forcément beaucoup de présence, que les gens ne viennent pas forcément en cours. Enfin, je pense que c'est totalement pas du coup. C'est vachement de travail personnel, mais il faut quand même être là, faut suivre mieux. Enfin, faut garder le rythme quand même. Je sais qu'il faut trouver son organisation, on est hyper autonome et indépendant par rapport au cursus classique qu'on avait avant. Je sais qu'il y en a qui préfèrent être encadrés, moi je préfère largement être autonome. Pour moi c'est pas du tout un truc où t'es en vacances, il faut vraiment s'accrocher et c'est assez dur. Et aussi cette idée qu'à la fac, faut rien faire en termes de travail, c'est assez light. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de cours, mais à côté, faut quand même pas mal travailler pour s'en sortir. On dit souvent qu'on ne travaille pas beaucoup. Donc, il y a un peu de chômeur, mais il y a quand même du travail à faire. Ça se bouche ça. Les cours sont longs aussi, avec des professeurs qui, des fois, juste débitent leurs cours et ne s'intéressent pas forcément aux étudiants. Cette idée que les profs, ils s'en foutent un peu de nous. C'est pas réellement le cas. Plutôt interactif les cours et ça, c'est pas mal dynamique quand même. C'est vrai et faux. C'est-à-dire qu'il y a des profs qui n'ont rien à faire et qui nous laissent nous débrouiller. Mais la plupart d'entre eux, ils vont essayer de nous aider, de nous guider, notamment dans les exposés ou les travaux qu'il y a à faire. On est totalement livré à nous-mêmes lorsqu'on arrive au sein de la faculté. Du coup, j'avais très peur de ne pas me faire d'amis et tout. L'organisation est très, très bizarre et très mal foutue. Et c'est totalement vrai. T'es largué, en fait. T'es tout seul. Tu dois te gérer tout seul. Tu dois faire ton propre emploi du temps, ton propre mode de travail. Effectivement, j'ai trouvé ça très dur, mais j'ai quand même trouvé des gens avec qui je pouvais discuter, prendre mes repas, tout ça. C'est sûr qu'il y a moins de suivi quand on est au lycée, notamment de la part de nos professeurs. Mais si on est bien entouré, qu'on se trouve un bon petit groupe, il n'y a pas de raison que ça le fasse. Avec une bonne organisation, tout se passe bien. C'est vrai.